encore avec ce merveilleux psaume, le psaume 23. Au verset 3, le psalmiste dit: le Seigneur anime mes forces, il me guide sur la bonne voie, parce qu'il est le berger d'Israël. Même si je passe par la vallée obscure, je ne redoute aucun mal, Seigneur, car tu m'accompagnes, tu me conduis, tu me défends. Voilà ce qui me rassure. Je pense qu'il faut que je reprenne la lecture pour que tu comprennes et que tu saisisses ce que le Seigneur veut te faire comprendre ce matin. Le Seigneur ranime mes forces. Ce matin, le Seigneur a décidé de ranimer tes forces. Tu dois le croire de tout ton cœur. Celui qui entre dans la présence de Dieu ne ressort pas comme il est entré. Il me guide sur la bonne voie. Écoute-moi. Le Seigneur ne peut que nous conduire sur la bonne voie. Toutes les décisions du Seigneur sont bonnes pour nous. Les chemins du Seigneur sont bons. C'est pourquoi en ce jour, au cœur de notre temps d'adoration, de louange et d'adoration, demande au Seigneur de te conduire sur sa voie à lui, de te conduire sur son chemin à lui, pour que tout se passe selon sa volonté. Parce qu'il dit, parce qu'il est le berger d'Israël, que ton cœur soit libre ce matin. On va lui dire, lumière du monde, comme un phare brille dans la nuit. Ouvre nos yeux ce matin, nous voulons voir le chemin que Dieu a tracé. Ouvre les oreilles de nos cœurs pour entendre le Seigneur. Nous voulons voir. Lumière du monde, comme un phare brille dans la nuit. Ouvre mes yeux, je veux voir. Lumière du monde. Lumière du monde, comme un phare brille dans la nuit. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Je veux voir. Réponds encore, lumière du monde, comme un phare brille dans la nuit. Lumière du monde, comme un phare brille dans la nuit. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Je veux voir. Lumière du monde. Lumière du monde. Chante avec nous. Comme un phare. Lui comme le phare de moi. Et mon cœur veut t'adorer, vivre ma vie près de toi. Lumière du monde, Jésus. Lumière du monde, comme un phare brille dans la nuit. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Oui, je veux voir. Je veux. Lui dire, tu m'émerveilles et mon cœur veut t'adorer. Vivre ma vie près de toi. Tu m'émerveilles et mon cœur veut t'adorer. Tu m'émerveilles et mon cœur veut t'adorer. Vivre ma vie. Ouvre mes yeux.
cœur. Pose la main sur ton cœur. Le psalmiste dit dans le psaume 23, au verset 3 à 4. Il ranime mes forces. Il me guide sur la bonne voie. Parce qu'il est le berger d'Israël. Même si je passe par la vallée obscure, je ne redoute aucun mal, Seigneur. Oh, on va lui dire, ta main me conduit, ta droite me saisit. Tu as posé sur moi ta main. Ta main me conduit, ta droite me saisit. Tu as posé sur moi ta main. Que tous les malades chantent avec moi. Ta main me conduit. Oh, ta droite me saisit. Tu as posé sur moi ta main. Ta main me conduit. Chante avec moi de tout ton cœur. Ta droite de me saisir. Tu as posé sur moi ta main. Tu as posé sur moi ta main. Oui, ta main. Ta main, oh, me conduit. Oh Seigneur, ta droite de me saisir. Tu as posé sur moi. Posé sur moi ta main. Réponds encore, oui, ta main. Ta main me conduit. Oh, comme ce bon berger, Seigneur, je ne redoute aucun mal. Tu me saisis. Et me connaît, tous mes chemins sont devant toi. Tu perces tout de mes pensées et tu as mis sur moi ta main. Oui, ta main chante. Ta main me conduit, ta droite. Tu as posé sur moi ta main. Tu as posé sur moi ta main. Oui, ta main, Seigneur. Dis-lui me conduit, que ce matin, c'est lui qui te conduit. C'est lui qui t'accompagne à l'hôpital. C'est lui qui t'accompagne à aller chercher du travail. C'est lui qui t'accompagne là où tu dois voir. Sur moi ta
C'est ta droite qui me saisit. Ce matin, tu as posé sur moi ta main. C'est pourquoi je peux dire comme le psalmiste que mes forces sont ranimées. Que c'est toi qui me guides sur la bonne voie. Je sais que tu me guideras sur la bonne voie. Je sais que les décisions de ce matin ne seront pas prises dans la colère, mais seront prises selon ta sagesse, oh mon Dieu. Même si je passe par la vallée obscure, Seigneur, même si je suis en train d'aller au tribunal alors qu'on m'accuse, Seigneur, toi seul sais que je suis innocent. Ta main me conduit. C'est ta droite qui me saisira. C'est toi-même qui parlera à ma place. Moi simplement, je veux proclamer que c'est ta main qui me conduit aujourd'hui. Non pas mes colères, non pas la main de l'humain, non pas les conseils de l'humain, mais les conseils de mon Dieu. Toi sont définis, point de ténèbres devant toi, tu es la lumière dans ma nuit. Oui, ta main me conduit, oh, ce matin, ta droite me saisit, tu as posé sur moi. Sois-tu de me guider sur ton chemin d'éternité. Et ta main me conduit. Chante de tout ton cœur, ne cherche même ta pas pour la main de Dieu est sur toi. Me saisis. Tu as posé sur moi. Tu as posé sur moi. Dream.
Si tu as peur d'aller à cet entretien de travail parce que tu as l'impression que tu n'as pas un bon langage, que tu ne peux pas bien t'exprimer ou bien que tu trembles devant les gens, crois que la main du Seigneur te conduit. Crois que le Seigneur ranime tes forces. Crois que le Seigneur est avec toi. Et tu chantes encore. Nous insistons sur ce cantique parce que nous croyons que la main de celui-là que nous adorons tous les matins, celui-là même qui est le maître de toutes choses, du monde visible et invisible, conduit le pas, la vie de tous les adorateurs. Même si tu t'es trop affaibli, tu n'avais pas envie de te lever de ton lit, le psalmiste dit, il ranime mes forces. Et moi je crois que le Seigneur est en train de ranimer tes forces, en train de te donner le courage de te lever, de te lève-toi et va de l'avant parce que je suis avec toi. Oh, tu reprends encore le cantique avec nous. Ta main me conduit. Ta main me conduit. Oh, ta droite me saisit. Tu as posé sur moi. Tu as posé sur moi. Saisis. Tu as posé sur moi ta main. Tu as posé sur moi ta main. Oh, ta main me conduit. Ta main me conduit. Oh, 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 oh. Ta droite me saisit. Tu as posé sur moi. Tu as posé sur moi. Que tu comprennes que la seule personne qui peut nous guider et nous conduire sur le bon chemin, c'est le Seigneur. Alors tout au long de la journée, fredonne ce cantique. Même s'il y a une situation dans ton cœur, tu dis, Seigneur, c'est ta main qui me conduit. C'est ta main qui me conduit. Et ta droite me saisit. Tu prends le psaume 23, tu lis du verset 1 jusqu'au verset 4. Parce que là, nous sommes au verset 4. Tu lis du verset 1 jusqu'au verset 4. Il est ton berger. Te conduit, c'est lui qui va te ranimer de force ce matin. Même si tu passes par la vallée obscure, ne crains aucun mal. Parce que ton berger est avec toi. C'est la lumière du monde. Il éclaire cette vallée obscure. Que le Seigneur te bénisse et te fortifie.